Donc, bienvenue à Vive! Alors, cette semaine... Ah, c'est beau, hein? Non, mais, tu sais qu'on pourrait faire comme à l'ancienne. Est-ce que ça tourne? Non, mais on gardera pas ça, là. Okay, okay. Bon. J'ai commencé les conférences. Et dans la conférence, ça n'a rien à voir avec... Oui, je vais parler un 5 minutes de beauté puis de produits à la fin, mais c'est surtout sur réaliser sa vie. Et il y a une grosse partie... sur la maternité et la paternité ou la féminité et la virilité. Parce que, et je le dis en conférence, mon début de réalisation ou de pas de réalisation, mais d'émancipation, si on veut, de femme, là, en mon début de vie où j'ai commencé à me réaliser comme femme, c'est grâce à toi. Quand tu es arrivée dans ma vie et que tu as commencé à me valoriser, et j'avais rien à l'époque. Je ne jouais pas depuis 4-5 ans. Mm-hmm. J'étais juste maman d'un enfant, mais tu n'arrêtais pas de me dire comment que j'étais merveilleuse. Et moi, je t'avais dit aussi que j'étais intense comme mère, mais que tu n'avais rien à dire là-dessus parce que je voulais rester comme j'étais. Donc, à garder mon enfant sur moi 24 sur 24. Et les mains se lèvent en conférence. Oui, mais ton chum, comment qu'il prend ça? Il n'a pas eu peur, tout ça. Et tu n'as jamais eu peur. Et ça, j'ai de la misère à te croire. Tu me l'as dit juste avant qu'on fasse le segment, parce que je voulais plus ou moins qu'on en parle. Et tu me dis non, les gens font référence beaucoup, beaucoup à ça. Donc... Que l'homme a peur de perdre sa place quand la mère va, par exemple, pratiquer le cododo ou être avec son bébé sur elle, comme, tu sais, en portage, puis toujours, constamment. Pour moi, c'est naturel. Ce que j'ai vu, et je te parle souvent de mon passage en Côte d'Ivoire, en Afrique, les bébés sont constamment sur la maman ou la grande sœur. Je trouve ça beau, je trouve ça... Et il y a une anthropologue aussi qui racontait que, bien, partout ailleurs, sauf en Amérique du Nord, on garde le bébé sur la hanche, que le bébé est fait pour nous suivre dans nos activités et non être le centre de l'attention. C'est pas du gagagigogu, c'est que l'enfant nous suit. Et toi, tu as toujours trouvé ça beau. Mais j'ai même de la misère à comprendre la situation contraire, pour être honnête. Je pourrais pas comprendre une mère, même des fois, on se fait un petit peu aider. Aujourd'hui, on filme, le bébé est en arrière. On a de l'aide pendant qu'on se parle en ce moment. Mais le contraire, je le comprendrais mal. Moi, je crois qu'il y a ça prend des situations sérieuses pour pas vivre aussi près de son enfant. Puis l'être humain, contrairement à un paquet d'autres animaux, l'être humain, le bébé vient, contrairement à plusieurs autres bébés, peuvent courir après quelques semaines, un bébé humain, n'a pour des mois, à pas être capable de rien faire. Et ça, c'est particulier à l'homme, ça. Fait qu'une maman n'a pas le choix d'être présente, puis c'est pas le papa qui peut être là, c'est la maman. Puis dans moi, les premiers temps, et c'est pas parce que moi, je suis pas féministe ou que toi, que t'es contre. C'est comme ça, la nature est ainsi. Moi, et je le dis, je le répète, je pense qu'on peut être en faveur de la liberté pour les femmes, de l'égalité, tout ça, mais en gardant des rôles aussi traditionnels. Je pense qu'il y a un heureux mariage des deux. Moi, c'est pas parce que je cuisine que je me sens diminuée. Au contraire, et c'est pas parce que je nourris bébé la nuit que je vais te demander de le faire. Et c'est ça aujourd'hui où on mélange un peu les Non, c'est sûr que l'homme, le papa, n'a pas besoin de se lever si elle n'aide pas. C'est un des parents seulement. Puis papa est plus en forme le matin s'il n'a pas eu à se lever la nuit. Et alors, papa peut prendre bébé le matin et laisser maman se reposer. C'est comme ça, nous, qu'on a joué. Donc, c'est pas jamais en se diminuant un l'autre, mais c'est en se respectant un l'autre. Et moi, dans ce rôle-là que j'adore de dormir avec bébé et de le porter sur moi, j'ai de la difficulté de ne pas faire autrement. Moi, ça va de soi, ça, je trouve. On en parle là, comme ça, tu voulais en discuter. C'est mon fils que tu as sur ton épaule. Oui. Donc, je suis très, très à l'aise avec ça. Mais ça, c'est logique, ça. Mais c'est logique, mais c'est pas comme ça partout. Si j'en parle, c'est vraiment dans le but de rassembler ceux qui sont comme ça. Parce qu'on n'en parle pas ailleurs. On parle de laisser pleurer son bébé puis de le laisser dormir à part pour nous faire nos nuits puis d'avoir le même rôle. Non, le bébé, quand il pleure, c'est parce qu'il a besoin d'aide. Ça aussi, ça me paraît naturel. Mais là, je voulais juste parler santé. D'accord. Deux petites secondes, je dois dire, puis c'est pas, j'essaie pas de faire une promotion ici. Moi, je suis un petit peu récalcitrant des fois. À tout. Tu remets tout en question tout le temps. Puis, et t'es sceptique. Grave. Mais je dois avouer là, que depuis quelques semaines, alimentation surtout, mais l'alimentation, une bonne alimentation m'amène ailleurs au niveau vitalité, donc j'ai plus le goût de faire de l'exercice, de marcher, de courir et tout ça.
Tu fais des bonnes choses depuis quelque temps. Entre autres, une des meilleures salades qui existent. La top, on la filme tantôt pour on vous On la autres. Filme, moi, je suis content. Ça, c'est Christian qui nous c'est a C'est Christian qui nous a ramené la salade, si parce veut. Qu'il y a 12 ans, on mangeait Christian de la Limoges. Salade tout le temps. Ouais. Ouais. Arrangeait ma moi, façon, des fois, j'y vais avec un 80-20, je vois que ta salade. Oui. Puis je vais y aller avec des petites tranches de steak là-dessus. Parce que moi, c'est parfait. Ça fait que je m'organise ça, je suis comme 4 fois plus de verre. Oui. Les poulets, tu steak, vois, comme etc. hier, tu voulais te faire ton omelette. J'ai dit non, je vais te faire une salade, je vais te mettre des œufs dedans. Ouais, c'était parfait. Et là, tu as pu avoir ton 80 de légumes ouais. aussi. Et c'est vraiment bonne, ma salade. Hier, tu as mis des noix. En tout cas, il y a un mélange, là. C'est parfait. Je vous la fais, je vous okay. la fais. Mais il y a aussi... C'est chaque jour, ça, là. À chaque jour, midi et soir. Ouais. En plus, les jus, là, on est rendu à 2 jus par jour, comme tu veux. Toi, tu es extrême. Moi, c'est une fois. Toi, c'est 2 fois. Ouais. Une fois, la salade. Mais je te clenche. Okay, je veux te clencher en termes de vitalité. Et ça, okay. c'est la guerre entre nous deux. Fou. Mais le 80-20, moi, tu vois, le soir, et tu me le dis souvent, tu t'étais... que j'ai besoin d'un petit peu de chocolat ou de quelque chose. Et c'est correct, tu sais, je suis pas... Et moi, non, et je pourrais t'aider à briser cette habitude-là. C'est le fameux 21 jours. Moi, je l'ai réglé. C'est vrai que là, c'est bon. Alors, il faut que je vous présente parce que c'est la première fois que vous êtes là. Mais Véronique, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait longtemps que tu participes, mais indirectement, tu as écrit beaucoup sur le site aussi. Oui. Et c'est toi qui as tout relu et re-relu et qui nous a aidé avec le livre La beauté. Et tu as écrit de nombreux textes et tu collabores aussi au Bookzine. Et à chaque fois, les femmes aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup tes textes. Donc, tu es naturopathe, mais herboriste et... Je suis enseignante aussi. Aussi. Et Marie-Hélène, tu étais présente à la foire. Et oui. Tu es venue me voir après, puis au moment où Véronique partait, parce que tu donnais un atelier à la foire aussi. Et toi, tu es en féminité, en fait, dans tout cet univers-là d'hormones et de naturel en tournant ça. Donc, les possibilités pour nous aider à cheminer avec toutes les phases qu'une femme peut connaître. C'est le cycle, en fait, le cycle féminin à toutes les phases de la vie, donc de la puberté jusqu'à la ménopause. Donc là, on célèbre la féminité aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur la ménopause, qu'est-ce qu'on fait. Beaucoup de perturbations aussi au niveau endocrinien. Donc, les filles qui tombent menstruées beaucoup plus jeunes, c'était pas le cas. Après ça, il y a beaucoup de cancers, malheureusement, aussi. Donc, des femmes qui tombent en ménopause, mais beaucoup très jeunes aussi. Mais donc, en ménopause, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce en fait, qu'on peut faire? L'état dans lequel on entre en ménopause, c'est aussi un constat des 10-15 dernières années. Comment est-ce qu'on a vécu? Ah? Il y a 3 bouées importantes quand on arrive en ménopause. Il y a les surrénales, donc la gestion de stress. Il y a l'intestin, puis il y a le foie. S'il y a un de ces 3 piliers-là qui est affaibli par des habitudes de vie, parce que, bon, des facteurs, des stress, des conflits, parce que on arrive en ménopause, les chiffres changent, les âges fluctuent, mais c'est autour de 55. Donc, il faut commencer à vers 30, ben oui, il faut 35, que tu la prépares, là, ta ménopause. OK, je ne savais pas ça. Puis ce qui se passe, c'est que nos trentaines puis nos quarantaines, tu sais, sont pas à l'image de ce que c'était avant non plus. Hein. On mène de front plusieurs chapeaux. On élève une famille, on a une hypothèque, on continue de travailler à temps plein. On a des enfants, bon, plus tardivement aussi. Mm-hmm. Tu sais. Fait qu'on mène notre trentaine, quarantaine un peu à terre, fatiguée, fait qu'on épuise énormément nos surrénales, puis ce sont elles, en ménopause, qui ont la capacité, à partir d'un type d'hormone qu'on appelle le DHEA, de faire l'équilibre hormonal au niveau de l'estrogène, progestérone, tout ça. Et le stress est le facteur qui va venir voler l'équilibre hormonal. Fait que ça fait dévier notre équilibre. Je trouve ça fascinant de savoir que les hormones, c'est infiniment petit et à quel point c'est ça, à quel point ça nous perturbe, mais c'est quoi les symptômes de glandes surrénales affaiblies? Ah, bien, en fait, ça va être de l'épuisement, des burn-out, de la fatigue. Ça peut être de l'inflammation chronique aussi. Ça peut être, pas juste au niveau énergétique, là, mais l'inflammation, c'est la mère de tous les maux. Okay? Fait qu'on peut pas avoir de pathologie ou de trouble sans avoir un terrain qui est inflammé à certains degrés. Ça peut être une thyroïde qui commence à être chancelante. Ça peut être... Et comment on le décèle, ça, la thyroïde qui est chancelante? Hein? En observant son corps. C'est là que nous, on intervient. C'est que tout ça, là, en fait, avant la ménopause, il y a une période qui est très importante qui s'appelle la périménopause.
Et c'est là où les changements s'amorcent, et c'est là que c'est intéressant, quand on est connecté sur son corps, de les voir venir, d'être prête à les observer. Nous, ce qu'on recommande, c'est dès 35 ans. On va avoir 3, 4, 5 autres bébés, là. Oui, bien, justement, raison. On est au début, là. On est au début de la famille. C'est ça. Mais maintenant, par contre, on sait que c'est à partir de 35 ans que la fertilité commence à décliner. Le déclin s'accélère à partir de 35 ans. Parce que on est vital, parce qu'on mange la bonne salade, parce qu'on fait attention. Si on est en ménopause déjà, là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi nos alternatives? Bien, on a les plantes médicinales, évidemment, comme herboriste. J'aime bien me tourner vers les plantes médicinales parce que l'avantage des plantes, c'est qu'elles ne vont pas juste faire une action. Elles ont toujours des propriétés thérapeutiques premières, puis elles en ont des secondaires. Fait qu'une plante peut couvrir plusieurs aspects. Elle peut travailler un équilibre hormonal tout en stabilisant le stress, par exemple. Et moi, je veux dire, tu sais, je suis la première sceptique à me dire comment c'est qu'une plante va nous aider tant que ça, mais tu sais, les huiles essentielles végétales et même la pharmacopée, c'est inspiré des plantes. Les plantes, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Bien, en fait, la médecine n'est pas née là, de sciences infuses, hein, c'est d'observation. Observation du comportement animal, observation de la matière végétale, puis on a identifié des molécules qu'on a synthétisées, reproduites, puis à partir de là, on crée de nouveaux patrons là, moléculaires. Tu sais. Mais il y a encore jusqu'à 40 % des médicaments, et de chimiothérapie inclus, là, que c'est, ça dérive de plantes. Donc, il ne faut pas... Il ne faut pas minimaliser l'impact des plantes. Et c'est parce qu'il y a une drôle d'image qui vient avec les plantes. C'est l'image des années 60, oui. Mais on n'est plus là. Moi, je constate vraiment le pouvoir des plantes, la puissance du règne végétal. Et mon Dieu, que ça fait du bien aussi à toute la planète, alors qu'un médicament, je ne suis pas contre la médecine conventionnelle, tout ça. Puis on y va. Moi, je vais à l'hôpital, j'ai un docteur, tu sais, c'est pas ça. Mais j'aime bien allier les deux. Moi, je fais toujours la comparaison avec le réchauffement de la planète. Tu sais, aujourd'hui, là, il n'y a plus beaucoup de monde qui peuvent dire que c'est un mythe, le réchauffement de la planète. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a un consensus scientifique également autour de l'impact du mode de vie et de l'alimentation sur le cycle, la fertilité, la santé reproductive et la fertilité naturelle. Donc, on sait maintenant, il y a une accumulation d'études qui nous disent, qui nous confirment que les choix qu'on fait, ce qu'on met dans sa bouche, ce qu'on met sur sa peau, notre qualité de vie va avoir un impact, et là on parle de la périménopause, la ménopause, bien ça va avoir un impact sur notre qualité de vie, sur nos symptômes. Mais on est un tout, hein, parce que c'est comme on en parlait, en fait, une femme qui va avoir un mois de vacances, déposée, tranquille, avec du temps, avec l'alimentation qui est bien contrôlée, puis pas de conflit, elle a un syndrome prémenstruel qui passe entre le mur et la peinture. Mm-hmm. Puis un mois où tu es pris à la gorge par tes finances, tes échéances, des conflits familiaux, l'alimentation sur le pouce, bien souvent, ça, tu vas le voir aussi là, dans ta pratique, là. Oui, oui. Le cycle hormonal va fluctuer. Ça, c'est important aussi. Fait que les habitudes de vie, c'est tout, là. Est-ce que vous évoluez depuis que vous êtes plus jeune, là, dans la vingtaine? Est-ce que vous évoluez de façon naturelle à 100 %? Est-ce que vous supportez vos symptômes différents, tout ça, avec le naturel seulement? Bien avant 20 ans. Bravo, Véronique, bravo! Moi, je dis tout le temps que c'est quand on ne veut pas concevoir qu'il faut penser à notre fertilité. C'est intéressant. Oui, parce que... Explique-moi. Parce que souvent, les femmes, quand elles... Tu sais, dans notre culture, mais premièrement, la majorité des femmes sont sous pilule en contraception. Oui. Donc, l'effet de la pilule, hein, l'effet psychologique, c'est de dire, bon, mais la dimension... La fertilité, c'est une dimension humaine. Oui. Donc, En prenant des contraceptifs hormonaux, on fait comme mettre le couvercle là-dessus, on n'y pense plus. T'sais, on se dit, bon, bien, c'est réglé, j'ai mon contraceptif hormonal. Et quand on est prête à concevoir, bien là, on remet notre corps en marche, on arrête nos contraceptifs hormonaux, et là, on demande à notre corps d'être prêt. Oui. Souvent rapidement. C'est ça. Alors que, pas de délai, hein? Comme on disait tantôt, la fertilité, c'est un fragile équilibre hormonal. Et
les hormones de la reproduction bien, s'inscrivent dans un grand système hormonal qui régit tout le corps, le système endocrinien. Donc, tout ce qu'on fait, tous les choix qu'on a fait dans notre vie, et même aujourd'hui, maintenant, la science nous dit que ce n'est pas juste les choix qu'on a fait nous, c'est les choix que nos parents ont fait. Donc, les générations précédentes vont avoir un effet sur... Donc, quand on prend soin de soi, bien, on prend soin de la fertilité aussi de notre descendance. Oh, j'aime ça. Parce que des fois, on se dit, hey, nous, tu sais, c'est pas grave, mais on vit pour nos enfants. Oui. Mais là, de penser de cette façon-là, c'est sûr qu'on vient d'ouvrir sur un champ qui est un univers qui est fascinant, merveilleux. Moi, ce que je vais proposer, ce que je vous propose à vous, c'est de nous poser les questions, sur quoi vous voudriez qu'on développe, et c'est ce qu'on va faire. Moi, je pense qu'on va revenir là-dessus. Parce que j'ai aussi plein de questions. Grossesse, après grossesse, le cycle, comment aider nos ados, comment s'aider nous. Moi, j'ai entendu parler du charbon activé, que ça peut avoir des beaux effets aussi sur la... quand on a un cycle qui est douloureux ou même qui provoque de l'anxiété. C'est sûr que l'alimentation a à voir beaucoup là-dessus, mais c'est tellement intéressant. Donc, c'était comme une intro. Moi, je vois ça de même. On va revenir. On va parler de la noix de cajou crue. Oui. Pour un vegan, c'est extraordinaire. Moi, j'en ai, je fais mon lait de cajou, ma crème de cajou. Donc, on peut faire le yogourt aussi. Tu sais, il y a tellement de trucs qu'on peut faire à base de noix de cajou. Mais c'est de ça, en fait, je voulais parler. D'abord, je voulais dire que la noix de cajou de Naturellement Bio, bon, c'est une noix bio, bien sûr, mais équitable. Ici, notre commerce équitable, elle vient du Sri Lanka. Puis, il y a vraiment là, une harmonie avec les producteurs qui sont payés à leur juste valeur. Donc, à ce niveau-là, on aime ça. Puis, la noix est décortiquée. C'est ça que je voulais dire. Tu sais, je ne suis pas obligée de dire ce que je vais dire là, sauf que moi, j'ai développé vraiment une confiance pour la marque Naturellement. Je connais évidemment Sylvie et son mari et je sais le soin qu'ils prennent pour chacun. Donc, je sais que j'ai une valeur ajoutée au niveau de ce qu'il y a derrière, de l'éthique, justement. Exactement, parce qu'il faut dire, la majorité des noix de cajou qui sont sur le marché, ils ont été bouillies pour pouvoir les décortiquer ensuite. Ça facilite le décortiquage. Donc, en bouillant un aliment, on peut perdre certaines valeurs nutritives. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Parfait. Ce que je voulais dire, pour les gens qui ne le savent pas, tu dis tu fais ton fromage, ton faux fromage avec la noix de cajou, mais c'est tellement facile à faire. C'est important de le souligner parce que... Tu nous dises comment le faire. Bien, c'est ça. C'est tu fais tremper ton cajou une coupe d'heure, 4 heures minimum. Oui. Pour le fromage, là, fromage, tremper 4 heures. Après ça, on jette l'eau de trempage, on rince bien les cajous, puis on passe ça au robot simplement. Là. Mais oui. Ça fait un genre de fromage crémeux. Okay. Mais pour la texture, on peut rajouter un peu d'agar-agar. Ou même certains vont le faire dégorger, si on veut, avec un coton fromage, mais en le laissant travailler pendant quelques temps au frigo, l'eau va s'égoutter et ça va donner une texture différente. Il peut être ensemencé par une culture bactérienne. Ça. On peut mettre du miso dedans pour aller chercher comme les vertus comme d'un vrai fromage, si on veut, avec la fermentation. Mais sans les mauvais côtés d'un vrai fromage. Aucun gras animal là-dedans, c'est juste végétal, donc juste des effets positifs. C'est génial à notre cachou. Oui, vraiment, vraiment. Donc là, Véronique, tu vas nous montrer comment faire de la teinture mère avec ce qui reste sur le terrain, soit de la mélisse, parce que normalement, on cueille au printemps. Oui, bien c'est ça. Quand on va suivre le cycle de la plante pour la récolte, si c'est les feuilles qu'on cherche, qui sont la partie plus médicinale de la plante, on va les apprendre plus au printemps, quand elle développe tout son système feuillu. Si c'est la fleur, évidemment, on va attendre à la mi-saison, là, autour de la Saint-Jean-Baptiste, c'est là que la floraison est la plus intense. Fait qu'on va prendre la fleur à ce moment-là. Puis si c'était la racine, il faudra attendre un peu plus tard en automne. Comme pour l'échinacée. Oui, comme pour l'échinacée, la bardane, le pissenlit, tout ça. On va attendre que la plante ait subi un premier gel pour que son énergie soit descendue toute dans sa racine, parce que c'est la puissance de la plante qu'on va aller chercher. Fait qu'on va l'accueillir après le premier gel. Fait que là, à ce temps-ci, comme l'été vient de commencer en octobre, bien, on a encore quand même la possibilité de trouver de la mélisse qui est relativement fraîche. Et qui se prend pour une jeune pousse, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
Puis quand on la récolte, la mélisse, il faut juste faire un peu attention parce que quand on la regarde, à moins d'être vraiment à l'affût des différences, là, ça ressemble beaucoup à de l'ortie. Ça ressemble aussi à de la cathare. Fait que juste s'assurer qu'on a la bonne plante. C'est une lamiacée, fait qu'on va la noter, on va le noter par rapport à sa tige qui est carrée. Fait que ça, c'est une façon de la reconnaître. Puis à son parfum qui est très citronné. La mélisse, son nom latin, c'est bien correct. Bonne journée. Fait que la façon de faire une teinture, en fait, on appelle ça une teinture quand c'est des plantes. On appelle ça une teinture mère quand c'est à une vocation homéopathique. Fait que c'est juste la petite différence, là. Fait que là, on y va de façon traditionnelle. Fait que ce qu'on fait, c'est que c'est les feuilles qui m'intéressent. Fait que si tu veux m'aider, Jacinthe, bien sûr. On a pris un petit pot. Ça peut être un pot maçon ou un pot de miel de jacinthe. Puis on va mettre nos feuilles là-dedans. Et la mélisse sert à quoi? T'avais-tu oui. répondu à cette question? Non, pas encore, okay. Non. La mélisse, c'est une plante qui fait le lien entre le système nerveux et le système digestif. Ah, j'allais te dire ça. Que, pas tout à fait, mais j'allais dire, est-ce que ça supporte la digestion? Oui. Fait que c'est une lamiacée, comme je disais tantôt. Là. Une lamiacée, c'est la même famille là, que les fines herbes. Fait qu'on peut s'attendre à ce que ce soit une plante carminative. Ça veut dire que ça diminue les putréfactions, les fermentations, gaz, ça aide à la digestion, ça aide à la motilité digestive. Bon, et toi, comme moi, savons que le monde au Québec ballonne et font de la putréfaction interne. Oui. Parce que moi, c'est ce qui m'a été dit. Oui. À plusieurs reprises, on m'écrit, Jacinthe, qu'est-ce qu'on fait quand on ballonne? On arrête de manger des céréales, puis ça arrête. On peut juste ballonner sur du sucre, hein? Juste sur de l'amidon puis des glucides. On peut pas ballonner sur des légumes. On peut pas ballonner sur du gras. On peut pas ballonner sur de la viande non plus. On peut juste ballonner sur du sucre, des céréales. Ouais. Dans les principes actifs de la mélisse, on retrouve beaucoup d'huile essentielle. Hein? Tu le notes aussi avec le parfum, là, tes doigts vont sentir la citronnelle. Là. Fait que ça, les huiles essentielles vont donner un caractère antiviral à cette plante-là. Ça contient aussi de l'acide rosmarinique, qui est un autre antiviral, qu'on retrouve aussi dans le romarin. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tout cela est improvisé. Donc, ça fait partie de ton vocabulaire. Oui, c'est ça. Qui contient beaucoup plus de mots que le mien. Fait qu'antiviral, c'est surtout un anti-herpès. Ah! Fait qu'anti-zona, parce que l'herpès, c'est une grande famille de virus dans laquelle on retrouve l'herpès, le feu sauvage, bon, l'herpès génital, tout ça. Fait que si on a des lésions, soit un feu sauvage ou, par exemple, des lésions de zona, bien, on a intérêt à prendre beaucoup, beaucoup de mélisse. À l'interne? À l'interne. On peut la mettre en compresse aussi à l'externe avec de l'huile de menthe poivrée. Ça vient anesthésier. Donc, ce qu'on va faire là, tu l'appliquerais à l'interne, puis on va la manger à l'externe, aussi. Mais on va la prendre à l'interne aussi. Aussi, ouais, donc les ça. Deux. Ouais. Là, les gens, comme pour l'ortie, oui. ils vont dire, oui, mais tu sais, quand ils vont écouter l'émission, où est-ce qu'on va la chercher, la mélisse? Là, oui. Je veux dire, dans le garde-manger de Véronique. Oui, c'est ça. La mélisse, elle ne pousse pas sauvage. Hein. C'est une plante qui peut s'adapter à nos climats, là, à l'été. Là. C'est une plante de Méditerranée. Fait que c'est pas quelque chose d'aller tomber dessus par hasard, là, sur le bord d'un ruisseau. Là, on va sinon trouver ça chez Avril ou dans les places de... Mais ça fonctionne, où on ne peut pas faire de la teinture mère avec des fleurs séchées. Oui. C'est beaucoup plus facile de mesurer le degré d'alcool quand la plante est séchée. Parce que là, ici, on a une plante qui, normalement, nécessite à peu près 45 % d'alcool. Là, ce qu'on avait à la maison, c'est du 40. On ne boit pas. Ouais, hein? On a quand même trouvé quelque chose d'intéressant. Part dans le cadre. Je me demande même qui a bu les restes. On va prendre, on va faire une teinture de mélisse, donc citronnée au brandy. Ça va pas être piqué des verres, ça va être poppy. Mais tu me disais que ça prenait un 40 % Normalement, il faudrait comme 45 % okay. quand elle est séchée. Là, quand la plante elle est fraîche, on sait qu'elle est fraîche parce qu'elle est humide, elle contient de l'eau. Fait que c'est sûr que ça va diluer. Puis on ne peut pas savoir exactement si elle contient 40 % d'humidité ou 80 % Comme par exemple, le gingembre, on sait, c'est à peu près 87 % Fait que si je veux une teinture qui me donne 60 % d'alcool, il faut que je parte avec du 90 %.
puis que je le dilue avec de l'eau. Okay. Dans ce cas-ci, quand c'est une plante fraîche, ben on y va de façon traditionnelle, puis on prend pas mal tout le temps du 40 % Ça pourrait être un petit peu plus. Okay. Hein? Mais quand ta plante est séchée, là, tu es sûr d'avoir exactement le bon degré. Donc, n'importe quel alcool, 40 % en montant, ça peut être vodka, rhum, Bien, c'est tout du 40, ça, ou de l'alcool de grain aussi, là, qui est un peu moins dispendieux. Mais si les gens... Ou à la SAQ, de l'alcool fort. Là. Oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'on va remplir notre peau. Idéalement, là, il nous en manquerait peut-être un petit peu. Là, il faudrait le mettre jusqu'à rebord pour que, quand on pèse dessus, il n'y ait plus d'espace. Fait qu'on voit qu'un petit pot nécessite quand même pas mal de plantes. Hein, parce qu'on a pris pas mal tout ce qu'il y avait dans le jardin. Okay? Fait que normalement, on va le remplir jusqu'au rebord. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser l'alcool. Parce qu'il ne faut pas que tu aies d'oxygène ou quoi? Ah non, il y a toujours de l'oxygène parce qu'il y a de l'eau. H2O, okay. C'est de l'oxygène. OK. Ouais. Là, ce qu'on fait... T'es pas d'accord? Fait que là, on remplit ça. J'aime ça. Et les gens trouvent ça sympathique quand ils se rendent compte que je connais pas grand-chose. Et moi aussi, tu sais, je veux dire, je suis là pour apprendre. Là, on va mettre un peu d'alcool sur ton patio parce que le but, c'est d'arriver jusqu'à temps que ça déborde. OK. L'idée, c'est que c'est sur le bord de déborder. Là, je vais mettre mon couvercle. OK. Bon, ça a débordé ici, c'est normal. Puis ça, je vais le brasser un petit peu parce que dans le fond, il n'y a pas d'alcool, mais ça va se rendre de toute façon, là. OK. Ça, je vais le laisser de 4 à 6 semaines. 4 à 6 semaines dans une armoire à l'abri de la lumière. Donc, à Noël, on ressort la teinture. On peut-tu la laisser trop longtemps? Ah oui, moi j'en ai qui datent de 2004 chez nous. OK, ils sont encore très bonnes. Et qu'est-ce qu'on va faire, à part soigner ces lésions, puis tout ça, avec ça, on peut juste tout simplement mélanger à une vinaigrette, puis... Oui, absolument. Okay. Oui. Et ça va être homéopathique, bon, toi, les abeilles, je t'avais dit, ces petites abeilles. Oui. Bien, en fait, il y a une affaire. C'est qu'on va remarquer que dans 3 jours, il va manquer d'alcool. OK. On appelle ça la part des anges. C'est la partie que les anges sont venus butiner, là. Okay. Ils ont enlevé. Fait que dans 3 jours, il faut qu'on l'ouvre, il faut qu'on remette de l'alcool jusqu'à rebord, puis là, on est correct pour les 4 à 6 semaines. Parfait. Fait que à Noël, on viendra déguster. On fera la suite dans quelques semaines, tu sais. Bon, bien, merveilleux. Voilà. Alors, à suivre. Merci. Bienvenue. Youpi.